Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto. Alors j'ai été obligée de refaire la vidéo parce que je sais pas pourquoi ça a bugué. Et du coup en fait on va faire cette carte ensemble. Donc on va changer les couleurs, au lieu de faire en rose on va faire en bleu, comme ça vous pouvez voir les deux modèles. Donc voilà. Par contre j'ai oublié de préparer quelque chose. J'ai oublié de préparer le papier avec la plaque de gaufrage là, donc je vais le faire vite fait. Hop. Donc je peux pas marquer pause avec mon téléphone, donc je vais le faire là. Alors il me faut du papier blanc évidemment, que j'ai pas prévu. Ce qui montrait. Je vais regarder dans mes chutes de papier ce que j'ai en blanc. Beaucoup de chutes de papier, mais pas des grands morceaux. Ouais, je vais pas avoir de gros morceaux. Si là. Ouais, si, c'est bon, j'en ai un. Donc j'ai oublié de préparer ça, je suis désolée. Hop. Donc on va passer à la machine. Donc là c'est épaisseur de gaufrage avec des petits nuages. Dans quel sens hein? Tac. Donc là je vais passer dans la machine vite fait. Hop. C'est pas bien, j'ai pas prévu. Tac, les deux plaques. D'habitude j'essaye de préparer parce que ça en fait on perd du temps et vous savez plus ou moins comment ça marche. Donc, hop, donc c'est fait. Donc on a le papier comme ceci qui est gaufré avec des petits nuages. Donc on va venir le recouper après. On va prendre une base de carte bleue du coup parce qu'on est dans les tubes bleus. On va prendre ce bleu là. Alors on va couper la base de carte. Tac. Donc là 12 cm. Donc moi je fais à peu près dans les 12 cm et sur 17 de hauteur. Après vous pouvez faire la taille que vous voulez. Voilà. Et celui-là par contre on va le faire avec le cutter parce que comme c'est gaufré, ça a tendance à des fois arracher le papier. Donc je vais prendre un cutter et une règle. Donc c'est parti. Donc normalement en haut ça devrait être bon. On va juste couper en bas. On va essayer de se mettre droit. Tac. Donc je vais me fier au trait de la plaque là de découpe. Je sais plus comment ça s'appelle. Le tapis de découpe, voilà, cherchez le nom. Tac. Donc là aussi on va se mettre droit. À peu près comme ceci. Ensuite je vais voir avec le papier. Donc là c'est trop grand, on va devoir revenir couper. Donc là à peu près 1 cm, donc 1 cm ça fait un carré ici, donc ça tombe bien. Enfin un carré, enfin du coup le demi, parce que on finit sur un demi carré. Donc on va doucement parce que ça a tendance à abîmer le papier. Et ici, il faut enlever à peu près loin de 2 cm. Donc on va enlever 1 cm en haut et 1 cm en bas. Parce que ça risque de couper un peu les nuages. Attendez, je vais vérifier. Ouais, encore un petit centimètre.
En gros, ça doit revenir à 11 cm et de hauteur 16. Voilà, on enlève à peu près 1 cm si je me souviens bien de ce que je faisais avant, je ne sais plus. Bon, voilà, c'est un peu trop petit, donc c'est pas grave, je vais recouper un peu la carte. Ça sera un peu plus petite que l'autre, mais c'est pas grave. Je vais coller et on va recouper la carte, c'est pas grave. C'est pas gênant. Ce sera juste un chouïa plus petit, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, on va pouvoir coller. Essayer de le centrer. En fait, non, ouais, c'était un demi centimètre que j'aurais dû enlever. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je m'en enlève. Ah, du coup, un demi centimètre, c'est ce que j'ai coupé en trop. Fais des bêtises. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto carte. Hein. Donc voilà ce que ça donne avec le fond en nuage. Ensuite, j'ai fait une petite découpe lapin avec ce petit dies de InnovArt. Et j'avais acheté ce dies sur AliExpress. Donc c'est un biberon. Donc il y a plusieurs parties. Voilà. Et ça nous donne ceci. Donc là, on va coloriser le biberon. Donc on va prendre des pattes d'encre. Ici de chez Action. Tac. Et on va ancrer tout ça. Par contre, bon, pour ne pas en mettre partout. Enfin, faut pas mettre de l'encre où il faut pas. Je vais prendre du scotch comme ceci là de chez Action pour la peinture. Et en fait, je vais venir couvrir là où il faut pas qu'il y ait d'encre. Voilà, tout simplement. Et on va pouvoir ancrer. Donc ce que je vais faire avant, c'est ancrer les bords comme ceci avec le pad d'encre. Voilà, ça fera un peu plus foncé. Comme ça, ça va bien ressortir sur la carte. Donc on utilise directement le pad d'encre comme ça. Hein. C'est moins compliqué. Fait le contour bien plus foncé et l'intérieur, du coup, on va utiliser le pinceau tout simplement. Bah alors, qu'est-ce que je fais? Donc, on va de l'extérieur légèrement vers l'intérieur. Alors après, vous pouvez faire directement la découpe dans du papier coloré et voilà, coller et tout. Mais moi, je trouve que comme ça, c'est plus joli. Ça fait des nuances et je trouve que ça fait plus joli. Bah après, voilà, comme je vous dis, vous faites comme vous voulez. Donc voilà pour ceci. Ensuite, je vais remettre le petit cache avant de mettre de l'encre partout. On va pouvoir enlever le scotch tout doucement pour ne pas arracher le papier. Voilà. Et là, du coup, je vais prendre les feutres de chez Action, comme ceci. Le marron, le beige et le bleu, tout simplement. Et un pinceau à réservoir d'eau, évidemment. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Un bloc acrylique pour pouvoir mettre tout ça. Et là, du coup, on va faire un peu. Comme ceci, tout simplement. Voilà. Et on va venir étaler. J'ai pas assez d'eau. Voilà. On va étaler le feutre. Alors, j'aurais dû prendre une couleur un peu plus foncée, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de voir une plus foncée en fait pour que ça ressort un peu plus. Tout simplement. Après, vous pouvez faire avec les feutres alcool comme vous voulez. C'est histoire que ça ressorte en fait par rapport
au bas du biberon. Mais après, comme je vous dis, vous faites comme vous voulez avec des feutres alcool, l'écran de couleur. Si vous êtes doué en aquarelle, vous faites avec l'aquarelle. Moi, je suis pas très douée, mais bon, je trouve que ça rend plutôt bien aussi comme ça. Ça fera des nuances, c'est pas grave. Va falloir que je m'améliore. À chaque fois, je dis ça, j'ai pas pris le temps en fait. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup scrappé de toute façon à la base. J'ai plus fait d'attrape-rêve, donc voilà. Mais il faut vraiment que je m'améliore sur l'aquarelle. Donc voilà ce que ça donne. Je prends mon petit chiffon, je vais nettoyer le pinceau. Et là, en fait, on va utiliser le beige. Je crois que j'avais pris du marron plutôt à la base. Donc du beige ou du marron. Comme vous voulez en fait, pour faire le haut au niveau de la tétine en fait du biberon. Ouais, j'ai plus pris du marron je pense. Ah bah d'ailleurs j'arrive pas avec mon pinceau, je vais y arriver ou quoi? Bon, ça serait un peu plus foncé, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est bien avec l'aquarelle, en fait, c'est que ça donne des nuances, donc ça fait plus sympa. J'ai un peu sale, donc hop, pour pas abîmer tout. Mais voilà, ça donne ceci. Ensuite, on va s'occuper du petit lapin. Alors le petit lapin, on va mettre juste les oreilles un peu d'ombre en fait. Donc là je vais prendre du gris. Alors mes feutres elles sont dans une trousse et ils sont pas très bien rangés du coup. Alors pour trouver, évidemment le gris va être tout en bas. Il est là. Il faut que j'achète une trousse plus grande. J'en ai pris une à Action mais elle est un peu petite. Alors là on va faire comme ceci. Et là, on va s'occuper directement de l'eau parce que sinon... J'y arrive pas aujourd'hui. Faut pas que ça sèche en fait. Je sais plus comment j'avais fait la dernière fois, mais c'était un peu mieux fait. Ce côté a l'air un peu mieux. Et on va mettre au niveau des bras ici. Et tout simplement au niveau... des petits pieds aussi. Ah, comme je vous dis, hein, je suis pas très douée avec l'aquarelle. Il va falloir vraiment que je m'y fasse. Hein. Que je m'y mette vraiment à ça. Parce que franchement, on peut faire vraiment de très belles choses. Mais quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Voilà. Et c'est pas nickel nickel, mais voilà, ça fait un effet d'ombre. On va dire ça comme ça. Je nettoie juste la plaque avant que ça sèche trop, parce qu'après c'est plus chiant à nettoyer. Voilà. On peut la ranger. Donc, avec tout ça, on va prendre du scotch 3D. Pour mettre sous le biberon. Donc là, on va mettre une épaisseur, ça suffira. Un petit ciseau que j'ai pas pris. Hop là. Non, pas celui-là. Donc je nettoie mes ciseaux aussi.
Donc là, une épaisseur sous le biberon suffira. J'ai pas coupé assez grand. Alors le biberon, on va le mettre à peu près comme ceci. Hein. On va respecter un peu l'autre que j'avais fait. Le nounours, on va mettre deux épaisseurs, deux double faces. Enfin, le nounours, le lapin. Plutôt. Pour qu'il soit en fait plus haut que le biberon. Tout simplement. Voilà. Deux épaisseurs. On va pouvoir le positionner. Il dépasse un petit peu. Je crois que je me suis trop mis par là. Mais bon, c'est pas grave. Comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir en fait décorer un petit peu les petits coins et autres. Donc pour ça, j'ai pris des demi-perles. Hop, je vais en mettre quelques-uns ici. Alors, je vais prendre la colle. J'en ai racheté une parce que l'autre, elle était vide. J'étais sur la fin et c'était un peu galère à l'utiliser. Donc là, on va en mettre un point de colle et on va mettre une petite demi-perle dessus. C'est pas vraiment de la colle, mais bon, moi je l'utilise plus comme colle parce que ça colle très bien, donc je préfère l'utiliser comme colle. À la base, c'est pour faire des petits endroits brillants. C'est du glossy, hein. Mais je trouve qu'elle est plus efficace en colle, donc je préfère prendre ça. Au moins, je suis sûre que mes demi-perles ne bougeront pas. Après, c'est pas donné. Hein, le prix est à 7 euros et quelques le flacon. Mais au moins, on est sûr qu'une fois que c'est collé, bah c'est collé. Si on veut défaire, en fait, on va tout arracher. Donc, je préfère l'utiliser comme colle que glossy. Donc, voilà pour les petites demi-perles comme ceci. Le petit lapin, alors, à la base, au niveau de l'œil, on a l'impression qu'il a un œil bouton, donc je vais mettre un vrai bouton. Et l'autre, on va mettre une petite demi-perle noire, comme ça, ça fait l'œil du lapin. Voilà, donc on va pouvoir coller, comme ça on est tranquille. Tac. Et puis ça fait un effet relief avec tout ça sur le lapin. Ça le fait ressortir. Après, le nez du lapin est assez discret du coup, on ne le voit pas, donc on va mettre du feutre noir, un petit feutre noir, est-ce que j'en ai un? Voilà, ça qui traîne quelque part, donc là hop, on va le faire ressortir, ok bah le truc il marche pas, mon stylo feutre ne marche pas, alors est-ce que j'en ai un qui veut fonctionner, voilà, hop. Comme ceci, tout simplement. Regardez, hop. Ça ressort plutôt bien. Et du coup, on va décorer ici. Alors moi, je vais mettre des fleurs, mais on pourrait mettre autre chose. Je vais prendre peut-être ça. Je vais peut-être faire comme pour la carte fille ou autre. Je vais voir encore. Je vais préparer les petites fleurs. Donc en fait, il nous en faut deux de chaque. Donc deux bleus, deux blancs et deux argentés. Les petites fleurs en papier comme ça viennent de chez AliExpress. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sinon? J'ai les petites choses que j'ai trouvées à Action. Noz, pardon. C'est des petits nounours en satin comme ça. Alors je vais voir. Celui-là il est bizarre. Je vais voir ce que ça peut donner. Si je mets le petit nounours à la place de la fleur, mais je pense que ça va faire trop bas. Non, je pense que ouais, je pense que la fleur sortira mieux sur le papier que le petit nounours. Parce qu'il va être un peu caché. Donc, je pense que ouais, la fleur sera mieux. On va faire quelque chose comme ça. Ouais, la fleur fera plus joli. Voilà, les fleurs sont plus jolies comme ceci. Donc on va mettre les fleurs, on va respecter la même. Là, on va faire la même chose que pour la carte rose. Donc là, on va venir
coller les fleurs. Donc vous voyez, il ne faut pas énormément de choses. Après, si vous n'avez pas des fleurs, vous pouvez le faire vous-même. Si vous n'avez pas de découpe lapin, vous pouvez mettre un tamponnage, enfin voilà, etc. Vous pouvez changer, hein, vous n'êtes pas obligé de respecter le modèle que j'ai fait. Donc hop, là on va appuyer un petit peu pour que ça prenne. Et du coup, voilà ce que ça donne. Bon, j'ai vu que j'avais pas fait tout à fait la même chose. Ici, j'ai mis 3 demi-perles. En fait, j'en ai mis que 2 sur la carte fille, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, comme ça, ça vous donne une idée en garçon ou en fille. Après, vous pouvez faire un thème un peu neutre dans les tons vert ou jaune. Voilà, j'ai fait rose et bleu. Mais vous pouvez faire jaune, rose, violet, etc., etc. Et du coup, ça donne ceci. Voilà. Pour ce petit tuto card, donc ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. C'est pas la plus jolie des cartes que j'ai pu faire avant. Mais bon, ça fait longtemps, alors le temps de m'y remettre un petit peu. Surtout que pour l'instant, j'ai l'idée que de cette carte. Donc après, je vais essayer d'en refaire d'autres. Mais déjà, après tout ce temps, c'est déjà bien de faire une petite carte comme ça. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Et si ça peut vous aider en plus à vous donner des idées pour des naissances dans votre famille ou autre, voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous.